Julie Pietri avait fait le déplacement, s'apprêtait à chanter, mais rien. Selon une information du Parisien, l'artiste sexagénaire devait se produire samedi 3 février au soir dans la petite ville de Farmoutier, en Seine-et-Marne. Un concert intimiste, puisque seuls 210 spectateurs avaient acheté leurs billets pour avoir la chance d'écouter l'interprète de Ève Lève-toi dans la petite salle socioculturelle de la ville. Seulement, au moment de faire des essais au micro, un problème s'est présenté. Là, il y a eu un gros souci, le son saturait, pour elle et pour ses deux choristes. Avec son régisseur, nous avons essayé plusieurs solutions, mais il a fallu se rendre à l'évidence, elle ne pouvait pas chanter, à moins de faire un concert de moindre qualité, a expliqué Sonia Abbé, la présidente de Farmoutier Animation, qui organisait le concert. Julie Pietri est donc repartie sans avoir pu donner satisfaction à ses fans, dont certains avaient fait le déplacement depuis Marseille. L'association à l'origine de l'événement, de son côté, devra assumer une perte sèche de plus de 10 000 euros. Une somme qui inclut le remboursement des billets, mais aussi le cachet de Julie Pietri. D'après le Parisien, l'artiste a été rémunéré plus de 6 000 euros pour l'événement, sans avoir chanté donc.